Bonjour tout le monde, ici RatuGamer pour une nouvelle vidéo sur Minecraft FTB Monster. Vu le. Je vais arrêter la magie pendant quelques temps et j'essaie dans le Nether pour récolter des goodies, mais j'ai pas récolté ce que j'avais absolument besoin pour vous montrer comment c'est. J'ai bougé le portail, c'est ce que le son est putain d'énervant. Je dois vous montrer ce que j'ai réussi à récupérer déjà. Réussi à récupérer tout ça. Tout, nom 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 nom. Ça j'ai dû crafter les têtes, c'est. Parce que j'ai le décapitateur, j'en ai plein. C'est bon, ça, c'est très très bon ça. Et de la moitié cobblestone, ce que j'ai trouvé un donjon ici, en minant. Donc, je vais aller dans le Nether pour chercher des matériaux un peu spéciaux pour faire un alliage un peu spécial qui fera l'alliage le plus puissant du jeu. Et grâce à cet alliage, je vais créer la pioche la plus puissante du monde. Donc, je coupe la vidéo, je rentre dans le Nether et je la redémarre parce que sinon, ça fait tout cracher. Au revoir! Bonjour tout le monde, me revoilà dans le Nether, c'est dégueulasse. Et dès qu'on spawn, on trouve déjà deux trucs comme ça, putain. Donc ça, c'est des matériaux extrêmement rares. Ils sont seulement dans le Nether. Putain, eh mais c'est pas normal qu'il y en ait autant. Seulement dans le Nether. Et oui, c'est un matériau rare qui spawn seulement par un ou par deux, grand maximum. Putain. Ça, c'est incroyable de trouver des chaînes comme ça. C'est, je pense, ouais, je pense vraiment que c'est un bug de génération quelque chose. C'est un peu con qu'il y en ait autant. Oh putain. Oh là 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 là. On s'en fera des goodies avec ça. Ce portail, mon dieu, ce portail. J'ai bien envie de l'éteindre, mais ouais. Comment je vais pour y retourner? Ah, la base, la vie. Tadam, tadam. Je crois qu'on en a déjà. Putain. On en a déjà assez, j'allais dire. Mais ouais. Je vais pas dire non à plus. Je ne vais pas dire non à plus. Il y avait aussi des arbres fantômes, mais j'aime pas le bois fantôme parce que. C'est vraiment bizarre qu'il y en ait autant. J'aime pas le bois fantôme parce que. En fait, ça fait des bruits qui font peur de temps en temps. Et les. Ça fait des portes semi-invisibles bizarres. Enfin, c'est. Ils sont là, mais parfois, c'est trop. Ouais. Mon dieu. Mais ouais, c'est chiant. Petit truc à la maison, parce que t'entends des bruits comme ça. Ça fait peur, ça fait peur. J'aime pas les trucs. Sauf si c'est en multijoueur là, j'aime bien passer les portes avec les fantômes. Ça fait chier le monde. Ouais, c'est plutôt le type de gars avec une alarme souterraine. Sous terre. Oh, des pêches. Ouais, j'ai pas de hache. Ça, c'est de la merde. Est-ce que c'est des fuse wood? J'adore le fuse wood. J'ai un peu. J'ai trouvé le bouton pour toggler ce que c'est. Bon, bah, je retourne à la maison. Je coupe et je reviens. Au revoir. Me revoilà. Et j'ai tellement d'ardite et tellement de cobalt, c'est incroyable. Je vais tout faire fondre dans ma fonderie du futur. Il y a un peu de sang dedans. J'espère que ça va pas fausser parce que je sais que parfois ça peut faire des alliages non voulus. Et tout foutre en l'air. Ce qui est un tout petit peu énormément casse-couille. Donc je vais faire la pioche du futur. Alors mon design de pioche, c'était un manche en obsidienne. J'ai de l'obsidienne ici, ce que j'ai vidé toute la fonderie, tu vas voir, il y a beaucoup d'aluminium, beaucoup d'alumite. Un manche en obsidienne. Un croisage en papier. Pourquoi le papier? C'est complètement con. Mais pour la simple et bonne raison que le papier, ça rajoute un modificateur. Donc peut-être que c'est moins résistant, mais par exemple, elle va se réparer automatiquement. Pioche, par exemple, qui est super quittée. Voilà. Parce que du coup, vu qu'on utilise du papier et tout ça, faut faire des moules classiques. À chaque fois, je reçois les mêmes achievements en boucle. C'est marrant, mais ça peut devenir très chiant. Alors, qu'est-ce que je voulais? Un croisage classique, donc. Voilà. Ça. Et un bâton classique, aussi, là. Mais sous les bâtons, comme le carré,
Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Pioche. Caca fort. Un handle, lui. Handle. Je crois qu'il faut le faire manuellement encore. Je crois qu'on peut seulement avoir des castes. De handle. Tool rod. Tough tool rod. Tool rod. Ça va être ça à tous les coups. Moi, je vais devoir faire fondre mon obsidienne. Mais d'abord, je vais faire ma tête de pioche. En hardite, je crois que ça s'appelle hardite. Manuline, non, manuline. Mon dieu, il y en a tellement. 30 lingots de manuline à l'attaque. Oh, voilà, c'est beau ça, c'est beau ça. Un bâton. Un obsidienne. Fondre les lingots direct. J'ai trouvé des diamants du Nether, c'est assez excellent. Hein. Donc, bon, Ivalou, je vais chercher mes autres diamants. Les diamants du Nether, je crois que ça te, tu peux faire cuire le truc en lui-même et tu te, parce que tu as toujours l'or, si je peux dire, toujours le truc. Tu dois faire fondre les diamants du Nether pour enlever la bedrock. Et tu en as toujours un peu plus. C'est long, c'est chiant. C'est long. Attends, attends, le bâton. Ça là. Papier. Paper binding. Donc, ouais. 30 durabilité. Ça mine super lentement, c'est vraiment de la merde. Mais ça rajoute un modificateur. Ta-da-da-da. Youpi. Je crois que ça fonde aussi. Le moss stone. Des boules de merde, mais voyons pourquoi ça veut pas me... Ah, c'est par là-bas, ma gueule. C'est nouveau, ça. On va tout utiliser. Et l'utilité de ces boules de moss. J'appuie sur U comme un taré. Ben, du coup, ça sert à rien, donc c'est le matériau qu'il fallait. L'obsidienne, ça va tout en bas. On va faire le bâton. Parce que ça a résistance 3 dessus. Voilà. Oh là là, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Alors on va se la faire cette pioche. Donc, où est cette bordel de merde de pioche? Voilà. Obsidienne. Manuline. Et paradis. 4 modificateurs. 9. Ce qui est terriblement lent. Pourquoi c'est aussi lent? Chercher mes livres. Alors, matériel. Right is smelting. Matériel. Peut-être long. Ouais, c'est rouge, le premier. Alors. Paper. Bah attends, manuline déjà. Manuline, c'est pas dans le livre là. Là, c'est écrit là. On va dire que c'est très très supportable. Mais j'ai quand même vérifié, vu que j'ai tellement de manuline. J'ai quand même vérifié si... C'est ça le problème, parce que sinon je peux changer, c'est pas grave. Tout ce manuline, man dieu. Voilà. Alors. Ah merde, c'était le croisé, il fallait faire. C'est pas grave. Ce serait utile pour faire un excavateur plus tard, j'imagine. Alors. Alors là c'est 9, et là c'est 9. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a ça. Reinforce 3, on peut écrire dessus. Voilà. Méga pioche à la mort. Ensuite, vu que là c'est vraiment de la merde, si je peux ajouter, je dois l'améliorer comme un tas. Qu'est-ce que je voulais encore? Les nonos nécrotiques, beaucoup de diamants. Les diamants, je pense que je vais les faire. Ouais. Vu que ça double. Oui, le gros fourneau, ça double tous les minéraux qu'on a. Et vu qu'il y en a deux par minéraux, et vu que ça fond pas,
C'est dans un fourneau normal, du coup. Oui, donc ça, les cristaux de la mort. Ah, il me faudrait du lapis aussi, je vais faire ça en travers. De la redstone, énormément de redstone. Tu vas à l'étage, du coup. Oui. Qu'est-ce que j'ai comme redstone? Super, ça va devoir faire. Alors, les diamants. Voilà. Oh, la vitesse de fond, c'est excellent. Ah non, c'est de la merde. C'est bizarre comment ça se comporte. Deux diamond ore. Et là, je peux les faire fondre. Bien sûr, j'ai pas de la piste. Ah, j'ai trop de trucs dans la tête en même temps. Diamant. Il est où l'or? De l'or. C'est de l'or. Tellement de diamants, ça me fait plaisir. Voyons voir. Mais vu que j'ai fortune sur mon autre pioche, fortune 2, je pense que c'est mieux de casser le diamant avec fortune, parce que je peux en avoir 3 ou 4 à la fois, que de le fondre pour en avoir 2 sur. Voyons voir. Un, trois. Ben voilà, c'était déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux en utilisant la pioche. Je suis content. On sent moins con. Si on le fait dans le fourneau, ça aurait pas marché. Alors, on va déjà commencer avec améliorer l'amélioration. Si je puis dire. 5 modificateurs maintenant. Faut une étoile du Nether. Attends, j'ai envie de voir comment on craft. J'ai des têtes. De la soul sand. Des diamants. Utilité. Ah, c'est un peu en crafté. Ouais, mais faut des lits de tarés. Voilà. Alors, une épée en diamant de merde et un arc en carton. Une épée de diamant de... Bah, ça coûte cher quand même. Plus moins cher que comment ça va être bien appris. La PCLG. Mais comme ça, c'est pas besoin de risquer ma vie. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même risquer ma vie en faisant un auto-spawner. Plus tard. Ça va être terrible. Alors, c'est déjà la fin de l'épisode. Donc, on se voit la prochaine fois pour un nouvel épisode. Au revoir.